Je me suis senti humilié par les passages où on me voit, d'autant plus quand les séquences sont diffusées hors de leur contexte. Choqué par l'image qu'elle renvoie lors de certains épisodes de Mariés au premier regard, diffusés chaque lundi soir sur M6, la petite sœur de Damien a tenu à mettre les choses au clair sur son compte Instagram. Alexia raconte que de nombreuses scènes où elle apparaîtrait mécontente durant la cérémonie de mariage de Damien et Pauline ont en fait été complètement changées au montage et que celles-ci auraient été filmées avant l'arrivée des mariés, au moment où elle attendait depuis plusieurs heures sous le soleil de Gibraltar. J'ai été scandalisée de voir les images qu'ils ont pu faire de moi. Je ne supporte pas que ce portrait qui a été fait de moi puisse être diffusé à l'échelle nationale, a-t-elle continué. Il faut dire que depuis ses apparitions à la télévision, la jeune femme est la cible d'une campagne de haine sur les réseaux sociaux. Depuis la diffusion des derniers épisodes, elle ne cesse de recevoir des messages d'insultes de téléspectateurs mécontents de son caractère très fermé et impassible face au bonheur de son grand frère. Alexia, je me suis senti humilié et persécuté, ce n'est pas la première fois qu'une telle chose arrive. Comme d'autres intervenants avant elle, Alexia se plaint que la production de l'émission ne se soit uniquement servie des séquences où elle apparaît insatisfaite, coupant ses moments de joie au montage. Pour autant, la petite sœur de Damien n'a pas caché ne pas être très à l'aise avec le format de Mariés au premier regard. Je n'avais pas forcément envie de venir parce que je ne voulais pas passer à la télévision. Le deal avec M6 est que je ne devais pas apparaître en gros plan ni en interview, a-t-elle également commenté. Si cela est vrai, l'émission n'a donc pas respecté ses choix, Alexia apparaît à de nombreuses reprises face caméra lors du mariage de son frère. Je me suis senti humilié et persécuté, ce n'est pas normal de faire autant de gros plans sur moi. Ils ont cherché le buzz et le sensationnel. J'aurais juste voulu qu'on respecte ma volonté de ne pas participer à l'émission, ça m'aurait évité autant de violence. Loading widget.